Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer une nouvelle recette. C'est une tarte aux pommes, délicieuse, facile à réaliser. J'espère que vous essayerez la recette et je vous laisse avec les ingrédients. Tout d'abord, il va falloir préparer notre pâte. Pour cela, il va nous falloir 250 g de farine blanche tamisée, un œuf, 125 g de beurre ou de margarine et 100 g de sucre glace. Dans un saladier, donc, nous rajoutons à notre farine notre sucre glace et notre beurre. Nous sablons le tout, puis nous allons ramasser le tout avec un œuf et une pincée de sel. Je rajoute un tout petit peu de farine pour former une boule que je vais laisser reposer une demi-heure au réfrigérateur. Par la suite, je vais étaler ma pâte, la disposer dans un moule à tarte et la piquer légèrement. Puis je prépare mes pommes en les coupant en lamelles, puis je les citronne légèrement. Puis nous allons préparer notre flan en quelque sorte. Nous aurons besoin d'un demi-litre de lait, 4 œufs, le zeste d'un citron, 100 g de sucre, une petite cuillère de cannelle. Donc nous allons commencer à battre nos œufs avec notre sucre. Puis nous allons rajouter le zeste d'un citron et la petite cuillère de cannelle. Nous allons rajouter progressivement notre lait et bien remuer le tout. Voilà, nous versons notre flan sur nos pommes et nous allons mettre à cuire notre tarte à 180 degrés. Dès que la pâte est bien dorée et que nos pommes sont bien dorées, nous allons utiliser un petit peu de nappage pour faire briller le tout. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la confiture ou du miel. Voilà, j'espère que vous essayerez la recette. Elle est délicieuse, facile à faire. Je vous dis à une prochaine recette. N'oubliez pas de m'encourager avec vos abonnements, vos likes et vos partages. À bientôt !